sports. It's in the game. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour F1 2021. Le jeu est disponible. Oui, Crofty, c'est bien Crofty. Du coup, oui, j'ai déjà démarré le jeu avant, mais vu que j'ai eu des problèmes du genre OBS qui a réinitialisé tout, donc du coup on n'entendait rien. Le jeu qui laguait, enfin, c'était catastrophique. J'ai dû refaire les paramètres et tout. D'ailleurs, je pense que je vais les refaire parce que j'ai oublié encore un truc. Faut que je mette le jeu en 30 FPS. Parce que sinon, ça va laguer d'autant plus. Ouais, j'en suis à ce point-là. Hein. J'en suis vraiment à ce point-là, quoi. Vraiment, on est là. On est là. Donc j'enlève le filtre anisotrope, j'enlève tout. Parce que sinon, ça va être infaisable. Voilà. Voilà, je suis vraiment désolé, je peux pas faire autrement. Sinon, ça lag de partout. Je suis obligé de mettre tout au minimum. Mais normalement ça devrait aller. Puis la F2, j'ai fait depuis quelques mois, j'ai pas fait. Donc, bref, je vous laisse avec l'intro, je vais faire mon micro. Quelle course! Regardez-moi ça, l'agressivité des pilotes est phénoménale. C'est incroyable. Ils sont sous pression en ce moment. Et je pense en particulier au jeune Hayden Jackson de chez Carlin. Les rumeurs du paddock l'annoncent prochainement en F1. Ce n'est pas le moment de faire une erreur. Plus que quelques tours avant l'arrivée, mais rien n'est joué. La tension est à son comble ici à Abu Dhabi et on n'aurait pas pu rêver d'une plus belle conclusion pour cette saison de F2. Ok, donc on va être dans la peau de Hayden Jackson. Voilà, donc okay, Hayden, vous voyez ce que ça fait tout au minimum. Hein. Reste concentré, tu sais ce que tu as à faire. Compris. Ouais, je pensais pas qu'il allait reparler. Oh, ça lag. Voilà, normalement, voilà, ça devrait aller. Donc je joue qu'avec la ligne en tant qu'aide. Hein. Donc bon. Allez, on va tenter le dive directement. Ah, il décroise. J'espère que j'ai rien cassé. Non, j'ai rien cassé. J'ai DRS. Ah, il m'est repassé devant là, Sabigo. Pousse-toi de là. Ok. Bon. Ah, il y a Ragunathan. Incroyable, Mavir, il est là. Elle glandait. Elle glandait, Mavir. Si tu pouvais me laisser passer, par contre, ça serait sympa. Merci. Allez, on va rattraper Guillotou et Latifi. Allez, on va dépasser Latifi qui défend. Incroyable, Latifi. Light on the brakes. Voilà, easy peasy. Bon, excusez-moi. La F2, ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Donc c'est... Là, je teste un peu la physique des vibreurs, là. Je teste un peu la physique, c'est pour ça. Je vais un peu sur les vibreurs pour voir comment ça réagit. Mais c'est vrai que ça réagit d'autant plus fort. Hein. C'est nimp. Oh, Guillotou. Oh, ce dépassement, il était ballsy, par contre. On va regarder le replay de ce dépassement, parce qu'il était quand même... Là, fallait avoir les coronets pour le faire. Hein. On the inside, dans le virage 2. Nickel. Et c'est la magnifique victoire pour Hayden Jackson. Hayden Jackson. Super boulot, Hayden. Excellent pilotage, mec. Félicitations. Yes, yes, yes. Ah, Clati Ragazzi, le titre de F2. Et il l'a fait. Wouhouhou. Jackson. Hayden Jackson remporte le championnat. Magnifique victoire pour Jackson. Magnifique. C'est amplement mérité pour ce talentueux pilote. Splendide résultat. Il a déjà fait part de son rêve d'un jour piloter pour Red Bull en Formule 1. Espérons que les intéressés regardent la course aujourd'hui. Et le voilà, l'homme du jour, Hayden Jackson. C'est une splendide course et une victoire resplendissante pour ce pilote hors pair. Après ça, je vous garantis que le nom de Jackson va être sur toutes les lèvres dans le paddock de F1. C'est un avenir définitivement radieux qui attend ce jeune pilote. Oh, il y a Pierre Ménès. Il y avait Pierre Ménès.
Incroyable. Il y avait Pierre Ménès. Allez, plusieurs mois plus tard, Grand Prix d'Australie. Ah, on va piloter les Formuling. Les fameuses Formuling. Je suis vraiment gaga là, je crois. Ah, ok. Hayden, sans grande surprise pour tous ceux qui ont suivi votre carrière, vous voilà maintenant en Formule 1. Comment vous sentez-vous à l'approche de votre première course dans la catégorie reine? Pour tout dire, Will, en fait, je réalise toujours pas. L'écurie m'a donné une superbe opportunité. Une qui ne se présente qu'une fois, un rêve devenu réalité. Mais pour répondre à votre question, je me sens comme un gosse. Je me retourne et je suis entouré de tous mes héros. Alors, il a fallu que je me pince pour y croire. Vous voyez, forcément, c'est un peu impressionnant, mais sur le circuit, la vitesse, le bruit, même l'odeur, ça reste pareil. Alors, j'espère vite retrouver mes marques. Question à propos de Casper Ackermann. Vous sentez-vous intimidé avec un premier coéquipier de Formule 1 aussi expérimenté et confirmé à vos côtés? Est-ce que vous vous entendez bien? J'ai toujours admiré Casper. C'était mon idole. Gamin, j'avais des posters de lui partout dans ma chambre, vous savez. Mon rêve, c'était de devenir Casper. Mais, au final, on dirait que je vais plutôt piloter à ses côtés. Mais ça va, ça me suffit. J'apprends avec le meilleur. Et puis, toute légende doit commencer quelque part, non? Hayden, est-ce qu'on pourrait avoir votre réaction sur les comparaisons qui ont été faites entre vous et un autre pilote de F1? Un peu comme vous, il a fait la transition de la F2 à la F1 la saison dernière. Qu'avez-vous à dire à la presse et à vos fans qui vous appelle le nouveau Devon Butler? Le nouveau Devon Butler. Ça me convient. Hein. Donc on peut se débarrasser de l'autre. Les gens te trouvent sympa. Tu passes bien. Je sais pas pourquoi tu t'inquiétais. Merci. Bon, écoute, tout va bien se passer sur le circuit aujourd'hui. Je le sens. T'as juste à faire comme en F2. Tranquille. Merci, Brian. Compte sur moi. Allez, Hayden. Tu peux le faire. D'ailleurs, tu l'appelles pas Brian, tu l'appelles Pierre, s'il te plaît. Parce que c'est Pierre Ménès. Bon, alors, le début d'une nouvelle saison. Le calendrier est chargé cette année. Ouais, bon, super. Hamilton en quête de record. Ouais, c'est vrai que c'était l'époque où il allait chercher 7 titres. Le champion de Formule 2 rejoint la catégorie reine. Dernier préparatif avant les Bourne. Okidoki, bon. Ah. Ah, bonjour, oui. Allô? Hayden, t'es dans ta piole? Ouais. Très bien, mets-toi à l'aise. J'espère que ça te plaît. Tu devrais avoir tout ce qu'il te faut ici. Actu, réseaux sociaux, tout est connecté. En revanche, rends-moi un service. Oui. Consulte régulièrement tes emails. Je crois que t'as déjà un message. Ah, ok. Merci, Brian. Détends-toi. Fais ce que t'as à faire et on se verra avant la course. Ok, super. Le Kyle a oublié de nous dire qu'on avait un email. Du coup, il nous contacte quand même. France Toast, ouais, tout ça, tout ça. Le circuit comporte un certain nombre de virages. Il y a même une maman dans le jeu. Mais wesh, mais... Ils ont quand même fait une maman dans le jeu. Hein. Je te dis, ils ont fait quand même une maman dans le jeu. Mais quoi? Pardon? Tu as laissé tes papiers au garage, je les ai donnés à ton assistant, tu pourras me remercier plus tard. Oh, et bonne chance, nana, ok, super. On va aller à la course, hein, c'est parti. Sous le regard des spectateurs du monde entier et face aux attentes de son écurie AlphaTauri, le jeune rookie Hayden Jackson prouve mériter sa place sur la grille de F1 pour son premier Grand Prix. Avec la possibilité d'une arrivée dans les points, il n'a pas l'intention de relâcher ses efforts. Ouh. Intéressant. Chapitre 1. Bon, je sais qu'il y a des gens, des youtubeurs qui l'ont fait une semaine avant, mais bon.
Ça se trouve, il y a des gens qui veulent pas se spoil, hein, j'en sais rien. En tout cas, évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à subscribe, tout ça. Là, je suis en train de mentir comme les grands youtubeurs, ça va plus. Bon, allez, c'est parti. Je m'embarrasse, là. Allez. Allez, Alpha Tauri. Bon départ, Aiden. Essayons de remonter un peu. Compris. Ouais, ouais. Il est devant. On va essayer de réduire l'écart. Allez. Ah, attraper Casper. Casper le fantôme, évidemment. C'est faux. Il est juste derrière Ricciardo. Sur la voiture de derrière est de 4,5 secondes. Allez, on va tenter le double overtake. Ouf. Ça, c'était du move. Allez, Devon, prépare-toi. Hop là. Voilà, on lui laisse sa place parce qu'on est quand même fer. Joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Allez, on rattrape Casper. Oh, une cinématique. Ok, je ferme. Le Grand Prix d'Australie tient pour l'instant toutes ses promesses et il reste largement le temps pour que l'on assiste encore à beaucoup d'actions. Je pense que vous n'allez pas être déçu, Julien. Ces deux-là n'ont pas cessé de se battre aujourd'hui, mais ils vont devoir sérieusement calmer le jeu parce que Devon Butler se rapproche dangereusement d'eux et il est prêt à attaquer. Aiden, Casper n'est pas ta priorité. Défends ta position. C'est bon, pas de soucis, je gère. Et Butler s'en mêle. 3 de front dans le virage 11, ça ne va jamais passer. Et ça ne passe pas. Ackermann est sur le bas-côté et on dirait bien qu'il... Il a subi de gros dégâts sur sa monoplace. Il va bien ? Jeff, comment va Casper ? Il va bien. Il rentre au stand, là. Concentre-toi sur la course. Oui, et bien après ça, il risque d'y avoir de grosses étincelles chez Alpha Tauri ce soir dans le garage. Aucun doute là-dessus, Julien. Butler s'est décidé tard, mais la dernière chose qu'on souhaite voir, c'est deux coéquipiers entrer en contact. Et Ackermann doit être furax. Absolument, et je peux vous dire qu'Aiden Jackson ne va pas être content non plus. Il n'avait certainement pas imaginé finir sa première course de F1 comme ça. Mais pourquoi il tente le free wide, ce trou du cul, là? Pardon? Les dégâts ont l'air mineurs. Ton ressenti, Aiden? Ouais, la monoplace va bien. Essaie de voir ce que tu peux faire. Bien reçu. Mais... n'importe quoi, Devon. N'importe quoi, Devon. Pourquoi tu tentes une troisième ligne alors qu'on tente dans un virage déjà assez chaud de tenter là, alors il tente une troisième ligne? Enfin bon, c'est Devon, hein, il est un peu con. Voilà. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,8 secondes. Devon, je vais pas te rater. On commence à rattraper la voiture de devant, mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres arrêts au stand. Voilà, le petit extérieur au virage 1 là, pour bien t'humilier. J'espère que tu l'as apprécié, en tout cas. Oh, le dive. Oh, le dive de bourrin. Bien, beau travail. Oh, ce dive de bourrin. J'ai fait aucun dommage avec ça? Mais non, mais j'ai aucun dommage avec ça, mais c'est scandaleux. Ah, j'ai plus le son. Ah, j'ai plus le son. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça j'ai plus le son? Wow, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, j'ai perdu le son, du coup, j'ai perdu le son à l'arrivée quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici à l'Albert Park. Bon, si les graphismes sont moches, c'est pour faire tourner le jeu, sinon ça tombe pas. Très très fort, et nous avons assisté à un Grand Prix d'Australie fascinant, Nicolas Martin. Les top teams continuent comme toujours à repousser les limites du sport et il va être intéressant de voir si le jeune Aiden Jackson de chez Alpha Tauri réussira à vite trouver ses marques, surtout après cet incident avec son coéquipier. C'est vrai qu'on a vu des rivalités se créer pour moins que ça, et si vous aviez décidé de suivre cette saison 2020 pour voir de l'action, vous n'allez pas être déçu. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Get in there, Lewis. Ah. Moi. Ah oui, du coup, avec les graphismes inférieurs, il a...
C'est... oui. Avec les graphismes inférieurs, il lance le champagne sans champagne. C'est drôle. Ah, ça, c'est drôle, pas. Ils sont en mode... C'est drôle, de ouf. La première course de F1 d'Aiden Jackson a été gâchée par un incident malencontreux avec Devon Butler et son propre coéquipier, Casper Ackerman. Donc je pense qu'il va y avoir une autre cinématique. Casper, écoute, je sais pas ce qui s'est passé en piste. C'était pas ma faute. Et c'est la faute de qui? C'était qui l'imbécile au volant de ta voiture, hein? Pathétique. Incapable d'admettre que t'as commis une erreur. Je... Pourquoi ils t'ont signé? Mais wesh! Oh non, pas lui. Butler, Devon, je t'avais pas vu là. Quoi, tu veux dire? Comme sur le circuit? T'as failli me faire sortir! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. T'as coupé, j'ai décalé, et d'un coup, c'était fini pour Casper. Mec, j'ai rien à voir avec ça. Peu importe ce qui s'est passé, c'est ta faute. Essaye pas de me mettre ça sur le dos, parce que t'as pas géré. Mais wesh, mais les deux qui se lient contre nous, mais c'est quoi ça encore, ce théorie du complot, mais... Fuck sake. Ah. Juste un petit instant. Pas de problème. On a juste affaire au schéma classique du rookie, c'est une erreur de débutant. Aiden va devoir s'habituer aux monoplaces de F1. Vous aviez vite pris vos marques après avoir fait la transition en Formule 1. Que conseilleriez-vous à Jackson pour sa première saison? Déjà, reste hors de mon chemin. Et j'éviterai aussi de prendre l'habitude de faire sortir mon coéquipier. Presque prêt, Aiden. On vérifie les micros rapidement. Ok. Honnêtement, Casper doit se demander ce qui est passé par la tête d'Alpha Tauri. C'est parfait. Merci, Devon. Ouais. Ok, Aiden. Alors, cet incident avec votre coéquipier. Mais wesh, affirme-toi. Dis que c'est la faute à Butler, là. Affirme-toi, mec, vraiment. Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre. Son coéquipier, c'est son idole, c'est vrai. T'oses pas trop contredire, c'est sûr. Mais... c'est la faute à Butler, là. Qu'est-ce qu'il fout de troisième ligne, là? Vraiment un trou de balle, hein. Franchement, pire truc. Ah, qu'est-ce que c'est? Brian? Aiden, ça va? Ouais, ça va. Écoute, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, je gérais et tout, et... Pas la peine de t'expliquer maintenant, on en parlera au débrief. Ouais, Il est pas content, là. Je parlais de ta dispute avec Casper et Butler dans le paddock. Waouh, les nouvelles vont vite. Les gens parlent dans le paddock, Aiden. Et puis, j'ai l'oreille qui traîne. Écoute, Butler, c'est un clown. Son ego est plus gros que... bah, que tout, en fait. N'y prête pas attention. Merci, Brian. Quant à Casper, ouais, il peut avoir le sang chaud, surtout après une course, mais il faut que t'arrives à travailler avec lui. Cette manœuvre... C'était pas ma faute, Brian. Ça nous a certainement coûté des points. Je vais pas te le cacher, hein, beaucoup de gens sont déçus dans l'équipe, Aiden. Mais ne t'inquiète pas, je vais faire le même discours à Casper. Apprendre tes erreurs et passe à autre chose. Mais que ça ne se reproduise pas. On se voit au débrief. Ouh, Pierre Ménès, il est pas content. Pierre Ménès, il est pas content du tout, là. Bon, voilà, c'est là qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il est assez court, évidemment, pour que je puisse le publier au plus vite sur YouTube. Vous savez, j'ai pas de connexion incroyable. Du coup, on se retrouve pour le deuxième chapitre, je pense, très bientôt. Et ciao, les amis. Tchuss.